Qu'est-ce qui fait famille aujourd'hui? La question est intéressante parce qu'elle est vague. L'idée de faire famille, plutôt que de constituer une famille, l'idée de faire famille, c'est une formulation, on va la qualifier de moderne, tant les choses ont changé. Les choses ont changé dans les manières d'organiser la famille, de telle sorte qu'il est difficile de parler de la famille, et que nous devons parler des familles. C'est-à-dire les formes familiales sont désormais multiples, mais anthropologiquement, eh bien, il y a quelque chose, une constante qui demeure. Il s'agit de structurer des liens familiaux autour d'un enfant, des liens familiaux, familiers presque pourrait-on dire, d'adultes qui s'occupent d'un enfant. Les configurations sont désormais multiples. Il y a plusieurs manières de s'occuper d'un enfant ensemble, de l'élever, de l'éduquer. Et puis, mais ce sont même les modalités de procréation qui sont désormais multiples. C'est-à-dire, eh bien, les enfants, ça se fait, la chair, ça se fabrique, mais ça se fabrique de mille et une manières désormais, avec cette idée comme ça que finalement, à la faveur des progrès techniques, je pense bien sûr, procréation médicalement assistée, mais également à la GPA, etc., etc. Eh bien, désormais, les manières de devenir parents sont devenues tout à fait multiples. Alors, on assiste à cette évolution-là tout à fait particulière, qui est que là où traditionnellement, ou jadis, disons, un certain nombre de formes familiales pouvaient faire exception, en tout cas, étaient un petit peu dans la marge de ce qui était attendu, de ce qui était considéré comme ordinaire, voire normal. Je pense à la monoparentalité, je pense à l'homoparentalité, à l'adoption même. Eh bien, désormais, ce ne sont pas, non pas que ces formes-là familiales, ces configurations familiales soient devenues la norme, elles restent encore minoritaires en termes statistiques. Ceci étant, ce qui est devenu en quelque sorte une norme paradoxale, c'est qu'il n'y a pas de norme, c'est-à-dire que c'est l'inventivité ou l'imagination dans nos sociétés occidentales, tout au moins, hein, pas un certain nombre, c'est l'inventivité, c'est la diversité qui est devenue en quelque sorte la norme. Voilà un petit peu ce qu'on peut dire. Qu'est-ce qui fait famille aujourd'hui? Eh bien, oui, il y a toujours, les enfants ont toujours besoin qu'il y ait des adultes qui s'occupent d'eux. Il faut qu'il y ait quelqu'un à s'occuper de ces enfants-là, de cet enfant-là qui vient d'arriver. Les modalités d'arrivée au monde, de naissance au monde sont multiples, mais les configurations sociales qu'on qualifie de familiales, voilà le faire famille, les configurations familiales sont désormais tout à fait diverses.